chers bébés, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de José sur le Tour de France. Quatrième étape, c'est parti pour l'étape du jour entre Reims et Nancy. Une étape donc de 213,5 km, deuxième étape d'affilée qui fait plus de 200 km. Promise cette fois aux sprinteurs, malgré que les dernières fois que Nancy qu'il y a eu une arrivée à Nancy, ce ne sont pas des sprinteurs qui se sont imposés bizarrement. Malgré deux difficultés répertoriées aujourd'hui, deux difficultés, deux côtes de catégorie 4, où on verra dans le final que des équipes ont mis en marche leur coureur. Bref, le film de l'étape, c'est tout de suite. Avec une échappée qui va prendre. Donc oui, le parcours s'est affiché. Une échappée qui va prendre. Au kilomètre 0 qui va être pris directement avec Juan Ofredo pour sa deuxième d'affilée, Michael Char et son coéquipier Juan Ofredo, Frédéric Barkhart, je ne sais pas comment ça se prononce, dites-le moi comme, si vous le savez dans les commentaires. Avec ça va commencer kilomètre 98, une chute dans le peloton maillot jaune, retardant 27 coureurs, par exemple Tony Galopin qui a chuté encore sur le même endroit où il avait chuté pendant les championnats de France, Christophe Laporte, problème technique à cause de cette chute, rien de grave pour lui, il n'a pas chuté heureusement, et voilà que heureusement tout le monde s'est relevé, pas d'abandon sur ce qu'on sait pour l'instant. Michael Char va passer en tête au kilomètre 121 de la première côte à Côte de la Rosière, un point pour lui au classement du meilleur grimpeur. Sprint intermédiaire, oui il y en avait un entre les deux côtes répertoriées aujourd'hui. Frédéric Bacquart, premier, Michael Char, deuxième, troisième, Ofredo. Pour le peloton, c'est Elia Viviani devant Peter Sagan, ainsi que Sonny Colbrelli, puis Peter Sagan en sixième position. Crevaison pour Thibaut Pinot, kilomètre 180, ça sent mal pour les Français, mais non, tout va bien, il arrive à rentrer dans le peloton maillot jaune après une chute d'un Français, après c'est une crevaison d'un autre. Heureusement, il n'y a rien eu de grave. Kilomètre 198,5, Nicolas Roche passe en tête de la côte de Marron et prend un point pour le classement du meilleur poids. Bon, lui, il s'en fiche un peu, enfin pour l'instant, en tous les cas. C'est parce que sur cette côte-là, on va avoir l'équipe à Peter Sagan un peu moins que la Sunweb, car la côte était assez pentue quand même. Elle était à 5-6%, mais des fois, elle a passé un peu plus. Voilà, donc là, les équipes ont essayé de mettre en marche. Oui, 5% à 3,2 km, donc ça fait quand même assez, et des fois c'était un peu plus. Donc les équipes ont mis en marche pour essayer de lâcher les sprinteurs, pas très fort dans la montagne. En tout cas, on va arriver au sprint comme c'était promis, malgré que on va avoir une attaque de Lilian Calmejean à 15 km de l'arrivée, repris 7 km avant l'arrivée à peu près. Une échappée, la grande échappée de cette étape qui aura eu maximum 3 minutes 40 d'avance. Avec une moyenne sur la première heure, ça a quand même pas très roulé vite. Hein, la première heure, par exemple, 41,5. On attendait à ces zones de la kilomètre heure sur la première heure. On attendait autour de ces zones-là durant toute l'étape. Une étape une étape assez ballonnée et assez difficile hier qui a été pris cool par les coureurs. Mais enfin, c'est toujours bien. C'est bon, c'est pas non plus du repos. Il faut les faire les 200 bornes. Et c'est plus reposant. En plus, ce qu'on nous attend demain et jeudi, ça commence et surtout la fin de semaine. Donc voilà. Mais c'était quand même pas mal à suivre, intéressant, surtout dans le final, avec cette attente, cette attaque de Lilian Calmejean qui a relancé un peu, et voir les équipes mettre en place les équipes de Michael Matthews et Peter Sagan qui passent bien les côtes, mettre en place mettre en place leur équipe à rouler pour essayer de lâcher les sprinteurs qui tiennent mal en montagne. Le top 10 de l'étape tout de suite. Une victoire, oui, de Elia Viviani, hein, la victoire italienne. C'est la cinquième, il me semble, victoire italienne en 14 arrivées à Nancy. Je ne voudrais pas dire de conneries. Voilà, donc Elia Viviani, première victoire, sa première victoire sur le Tour de France dans son histoire. Deuxième, Alexander Christophe. Troisième, Kael Ewan a noté la 10e place de Christophe Laporte. Premier Français, une étape qui a duré 5 heures, 9 minutes et 20 secondes, aussi longue qu'hier, plus plate. Mais qui a duré plus longtemps parce que les coureurs ont été cool, se sont arrêtés même pour faire les pauses naturelles sans avoir sans trop forcer pour revenir, tout ça. Ça a été cool malgré quelques
Petite chute comme on a pu voir, mais heureusement tout est rentré dans l'ordre. Les porteurs de maillot avec toujours Julien Alaphilippe, notre français en jaune, avec 20 secondes sur Wout Van Aert en deuxième position, le belge de la team Jumbo Visma. Tim Wellens en maillot à poids, ça avait pu, il était sûr de le garder aujourd'hui. Peter Sagan toujours en vert. Viviani, Michael Matthews, ça a changé le top 2 de l'étape depuis hier, il me semblait. Enfin, Michael Matthews était bien remonté hier en finissant premier du peloton. Deuxième de l'étape ou troisième, enfin dans les 5 premiers du peloton en tous les cas. C'était bien remonté. Et il y a Viviani avec sa victoire aujourd'hui, oui, qui a pris quand même des points. C'est bon, Peter Sagan a encore de l'espace, mais attention, ça se resserre. Wout Van Aert en blanc derrière Egan Bernal, 20 secondes d'écart. En tout cas, une étape qui était une étape promise au sprinter, comme vous l'a dit. Donc voilà, c'était repos, repos. C'est tout pour aujourd'hui. L'hommage comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hommage à mon oncle comme d'habitude sur ces vidéos de Tour de France. Je vous dis Kishel Pali à la prochaine. Salut les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la suite des aventures de José. Allez, Kishel Pali, salut.